Alors, la ministre des Outre-mer a souhaité inviter ce soir les défilants au 14 juillet 2018, qui sont des représentants des régiments de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, qui ont participé au détachement du service militaire adapté, qui ont été projetés à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy suite au cyclone Irma, puisque le service militaire adapté avait, dès le lendemain du cyclone, envoyé un premier détachement de Martinique, puis d'autres venant de Guadeloupe et enfin de Guyane, afin d'aider les jeunes, afin d'aider la population de Saint-Martin à faire face aux premiers au premier secours dont ils avaient besoin suite au passage du cyclone. Voilà. Donc il y en aura 42 qui défileront au sein des détachements des armées, mais aussi du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé, qui ont été amenés à intervenir suite au passage du cyclone. Et puis parmi eux, il y a 92 jeunes qui viennent du régiment du service militaire adapté de Mayotte, puisque ça fait 30 ans cette année que le SMA est installé à Mayotte, et donc c'est une date anniversaire importante. Et pour matérialiser cet anniversaire, le régiment du service militaire adapté de Mayotte s'est vu remettre officiellement la semaine dernière le drapeau du régiment, puisqu'il a été transformé d'un bataillon en un régiment du service militaire adapté cette année, pour concrétiser le fait qu'à Mayotte, il y avait une unité qui était du même pied que dans les autres Outre-mer, et que donc il fallait que, comme dans les autres Outre-mer, ça soit un régiment qui soit doté d'un drapeau conformément à nos autres unités. Donc il y aura près de 150 jeunes du service militaire adapté samedi matin sur les Champs-Élysées, qui incarneront les 7105 personnels, cadres et volontaires qui servent au sein du service militaire adapté. Chaque année, c'est 6000 jeunes qui sont recrutés pour venir suivre une formation au sein du service militaire adapté, et 77% d'entre eux sont intégrés par l'emploi dans la société suite à la formation qu'ils suivent dans les unités du service militaire adapté.